Le procès chevelu a eu lieu le 15 de ce mois. Maître Terrain, un des avocats de Chevelu, qui est à nos côtés et qui prendra la parole tout à l'heure. Je tiens d'ailleurs à la remercier ici d'avoir défendu notre Chevelu, sans contrepartie financière, avec toute sa conviction et son professionnalisme. Dans la nuit du 30 au 31 mai, Johnny Marker, habitant Draguignan, a tué Chevelu. Cet acte est un acte d'une barbarie extrême. Ce bourreau a asséné un premier coup de pied d'une violence extrême, car il s'est donné le droit de penser que Chevelu ne devait pas dormir sur la selle de son scooter. Amélie Lecause, compagne de l'assassin, a fait un faux témoignage pour le couvrir, mais n'a pas été inquiétée. Ce pervers au casier judiciaire de 11 condamnations, il était sous bracelet, s'est vu être condamné à 6 mois ferme et 12 000 euros d'amende, qui sera reversé aux parties civiles. Interdiction à vie de détenir un animal. Le procureur réclamait 9 mois sans mandat de dépôt immédiat. Cela aurait été un danger extrême, qu'il soit dehors en attendant sa mise en cellule. Tout comme le 15 juillet, où sa condamnation a été une simple amende et non de la prison. Si la justice avait appliqué les peines prévues pour toutes les condamnations, Chevelu serait encore en vie. Procureur, juge, je m'adresse à vous aujourd'hui. À quel moment allez-vous être sensible à la cause animale, la torture, la maltraitance, comme aux États-Unis, qui ne reconnaissent depuis le 1er janvier 2016 qu'un acte de cruauté sur un animal est condamnable comme un meurtre? Si nous nous rassemblons encore aujourd'hui, c'est pour crier notre indignation, mais aussi pour rendre hommage à Chouf, chat martyr de Tonnerre tué par des enfants de 4 à 11 ans. Luna, chatte tuée par sa maîtresse devant sa petite fille. Puce, violée, Paco, etc., etc. La liste est interminable. Nous voulons rendre hommage à tous les animaux victimes de cruauté, à chacun d'eux en particulier, car chacun a été écrasé, fracassé et s'est vu voler sa vie par un de nos congénères qui s'est attribué ce droit. Nous refusons de vivre cette barbarie. Je suis venue depuis Marseille pour vous parler et je vais avoir un discours un petit peu technique, un petit peu juridique, parce que c'est mon métier et parce que il y a de très belles idées qui sont développées, notamment aux États-Unis, mais moi, je travaille en France et je dois bien me satisfaire de la loi française. La loi française existe, c'est l'article 521-1 du Code pénal, et elle prévoit, vous le savez tous, 2 ans de prison ferme, 30 000 euros d'amende, plus interdiction d'avoir un animal. C'est comme ça. On ne peut pas, pour l'instant, on est obligé de travailler avec ce texte. J'ai voulu travailler avec ce texte et je me suis aperçue qu'il y avait, comment dirais-je, une disproportion, quelque chose qui n'allait pas entre le nombre de chats, de chiens, d'autres animaux persécutés, mis à mort cruellement, subissant des sévices de la main de l'homme, et le nombre de tortionnaires qui étaient jugés. Il y en a très peu. Il y a très peu de tortionnaires jugés et il y a beaucoup d'actes qui restent impunis. C'est l'équation que j'ai trouvée. La plainte, lorsqu'elle est déposée, je vais vous faire très rapidement, les plaintes ne sont pas souvent prises. Les policiers vous disent « Ah ben non, vous le savez tous. »
Lorsqu'elles sont prises, elles ne sont pas traitées. Très peu de plaintes sont traitées. Lorsque par hasard elles sont traitées et qu'elles arrivent jusque chez le procureur, soit le procureur classe sans suite, comme c'est le cas pour mon chien Ico, soit on a des sanctions, des substituts du genre composition pénale, rappel à la loi. Alors rappel à la loi, c'est monsieur, bonjour, vous avez tué un chat, tué un chat, on vous rappelle la loi, au revoir monsieur. Voilà, c'est ça le rappel à la loi. Donc c'est, excusez-moi, c'est quand même un peu du... Pour avoir tué un chat, c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est du foutage de gueule, le rappel à la loi. Rappel à la loi, ou alors, dans des cas très rares, il y a des renvois devant le tribunal de police et ou des renvois devant le tribunal correctionnel. Et devant le tribunal correctionnel, il y a des peines qui sont ridicules. Alors, je m'explique, puisqu'on va en revenir au procès de Chevelu. N'en déplaise à la justice, n'en déplaise à tout le monde, l'assassin de Chevelu a déjà tué un chien. Et ça, je ne sais pas, Hermès. Parce que moi, Hermès, dans la salle d'audience, je défendais Chevelu, mais j'avais aussi Hermès à l'esprit. Parce que le type qu'il y avait devant moi, il avait tué Chevelu, mais Hermès aussi. Et la condamnation est définitive pour Hermès, donc on peut en parler. Vous savez comment il a tué Hermès? Il a claqué la porte de sa maison. Il est parti ici ou ailleurs. Hermès est mort de faim, de soif, de dénutrition, de déshydratation. La mort la pire qu'on puisse imaginer. Il attendait son maître et à la place, il a vu la mort. Voilà Hermès. Donc le meurtrier de Chevelu, la personne qui a été condamnée pour le meurtre de Chevelu, a d'abord commis cet acte. Et pour cet acte, vous tous ici présents, la condamnation qui a été infligée par le tribunal correctionnel est de 750 euros de jour amende. C'est-à-dire que pour la justice française, le calvaire de Hermès vaut 750 euros. Vous vous rendez compte? Voilà. Hermès, j'ai une pensée pour toi à ce moment-là. Hermès, qui a attendu ton maître. Hermès, qui aimait ton maître. Qui est jamais revenu, qui t'a laissé mourir. 750 euros, mais c'est une insulte à l'animal. C'est une insulte à la cause que nous défendons. S'il vous plaît, là, il y a matière à se révolter. Il y a le côté rétributif de la loi. C'est-à-dire, j'ai commis un acte qui a troublé l'ordre public. Donc, je fais ma peine et comme ça, je suis en règle avec la société. C'est le côté rétributif de la loi. Il y a le côté répressif de la loi. J'ai fait du mal, je dois souffrir. Souffrir, tu vas en prison. Voilà. Et il y a le troisième côté, c'est le plus important, à mes yeux. C'est le côté dissuasif de la loi. Comment voulez-vous qu'en mettant des peines de 750 euros, ça dissuade ce monsieur de recommencer? Il a recommencé, on est obligé de s'incliner. Et c'est vrai que moi, au plus profond de moi, je pense que si la première fois la justice était passée normalement, il n'y aurait peut-être pas eu de deuxième fois et que Chevelu serait toujours à Draguignan. Voilà mon sentiment. Je suis l'avocat de Chouf, de Duchesse, de Angèle à La Réunion qui est mort, de Flippy, à qui on a dû couper une patte parce que l'homme ne l'avait pas soigné, de Speedy, vous ne le connaissez pas celui-là. Speedy, c'est un petit chat de 4 mois ou de 6 mois qui a été jeté du 4e étage par un monsieur alcoolique. Et Speedy, je veux quand même développer sur Speedy parce que c'est symptomatique. Speedy, après avoir tué le chat, 2-3 ans après, a frappé sa mère. Et moi, j'ai été saisie, donc dans le cadre, c'est la mère qui m'a saisie. Et c'est bien ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Tu touches à un chat et tu passes à l'homme après. Voilà. C'est bien ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, parce que je ne désarme pas. Parce que la mémoire de Speedy m'a été confiée. Parce que Speedy, il est comme les autres. Parce que la plainte n'a pas été traitée, elle a été foutue à la poubelle, ça date de 2-3 ans, les faits. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai saisi
le doyen des juges d'instruction de Marseille d'une plainte avec constitution de partie civile. C'est pour les choses les plus graves, normalement. Et moi, j'estime que Speedy, il a droit, comme les grands criminels, comme les autres, il a droit à ce qu'un juge d'instruction... Il a droit à la justice. Allez, voyons. Voilà. Voilà, donc je saisis un juge d'instruction. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, je termine juste. Voilà. Donc, je suis l'avocat de tous ces chats et chiens. Je me propose de donner des nouvelles parce que je me suis rendu compte que le peuple en avait assez de ces actes de torture, de ces sévices impunis. Je me propose, sur d'autres pages Facebook, de vous donner des nouvelles de ces animaux. Il y a la page Affaires chevelues de Draguignan et la page CCMA, qui est un collectif, couvre mon ami Sunman, qui est un collectif contre la maltraitance. Je posterai sur ces deux pages. J'ai posté tout l'été, j'ai essayé de faire en sorte que la mobilisation ne tombe pas. Ils espéraient tellement pour Chevelu que l'été fasse tomber la mobilisation. Eh bien non. Voilà, tout l'été on a manifesté. Là. Et je veux terminer, excusez-moi. Voilà, je veux dire le plus important. Je mets mon énergie au service de ça. Je veux qu'il y ait un avant et un après Chevelu. Oui, bravo.